à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur 42 TV pour votre bulletin météo complet de votre week-end du samedi 11 et du dimanche 12 mai qui devrait s'annoncer. Ah ouais. Assez agréable. Avant de commencer ce bulletin, vous inquiétez pas si vous entendez dans les séquences face caméra ou avec vos contributions un petit bip. C'est normal, rassurez-vous, il n'y a pas de feu chez moi, mais c'est un instrument qui me casse les pieds depuis quelques heures et j'arrive pas à remédier au problème. Donc bon, voilà. Et avant, donc, toute chose, on commence toujours un bulletin météo du week-end par vos contributions. Et on commence tout de suite avec Zoom 42. Tiens, voilà le bip. Zoom 42 qui nous fait profiter du magnifique coucher de soleil du côté de Roanne. Oh là là, un petit peu nuageux, il y a encore. Voilà, faut être un petit peu perfectionniste. Oui, c'est vrai qu'à l'horizon, il y a des nuages. Mais qu'est-ce que c'est beau. Ah ouais, qu'est-ce que c'est beau. Avec ces légères teintes dans le ciel, plus l'eau qui est d'huile, une nouvelle fois. Eau d'huile, c'est sublime, les reflets. Parfait. Merci infiniment. Zoom 42 pour cette très très belle prise. Ensuite, nous partons du côté de Notre-Dame de l'Ermitage avec Agnès Kemp qui nous fait profiter de cette magnifique petite chapelle bien entourée avec ses arbres, cette verdure. Limite un peu forêt, il y a de quoi se reposer apparemment, de quoi se ressourcer. Un lieu franchement idéal, très joli, malgré un ciel peut-être lors de la prise un petit peu gris, mais bon, hein, on est difficile. Franchement, on est difficile, ça devait être quand même bien agréable d'en profiter. Merci infiniment Agnès pour cette très très belle photo. Et on va terminer du côté du vieux Saint-Rambert. Grâce à la photo de Nanine Babounette. Très belle photo de la porte de la franchise. Franchement, une belle constitution. Alors, je ne suis pas, entre guillemets, architecte. Je ne pourrais pas vous dire exactement de quand elle date, clairement. Mais moi, j'aime bien ces entrées de ville, de village, comme ça. Ça me rappelle un petit peu mon sud-ouest, puisque dans mon sud-ouest, il y a des petits villages comme ça, où on entre par la porte, pareil, des portes de la franchise, comme on peut les appeler également. C'est très joli, et ça donne un cadre vraiment typique au village. Très, très belle prise, là aussi. Merci infiniment, Nanine, pour la photo, et merci à nouveau, Agnès et Zoom 42. Pour vos photos respectives, comme ces trois amis, vous le savez, vous pouvez envoyer vos photos et ou vos vidéos. On les prend, on les accepte toutes à l'adresse suivante, contact@42tv.fr. Donc, maintenant, comme je le disais, un week-end splendide, ça y ressemble. Week-end splendide, surtout pour ce samedi, puisque vous le constatez, la totalité de la Loire sera sous du soleil, avec peut-être un petit peu de cumulification dans la journée, mais ça n'empêchera pas l'impression de beau temps. Concernant le vent, il sera faible d'ouest à sud-ouest, et les températures seront comprises avec une moyenne à 24 degrés, mais localement, dans les fonds de vallée, nous pourrions atteindre les 25 à 26 degrés. Une journée dominicale qui devrait être, allez, en général assez agréable, c'est vrai. Mais tout de même, dans l'après-midi et début de soirée, la cumulification va se faire de plus en plus. Et nous pourrions avoir, dès la fin d'après-midi, quelques petites averses qui pourrait être localement orageuse, affaire à suivre. Concernant le vent, il sera modéré d'ouest à sud-ouest, mais devrait souffler un peu plus fortement sur le Pilat, avec des rafales
jusqu'à 60 km/h. Du côté du thermomètre, ça va légèrement baisser par rapport à la veille, avec une moyenne à 23 degrés. Oui, un week-end assez agréable. Va falloir profiter. Ouais, mais je vous le dis parce que les jours à venir, on repart dans l'enfer. Oui, j'exagère un peu, je sais. Mais ça sent à nouveau la flotte. Donc, profitons tant que c'est encore faisable parce que je sens qu'on va être malheureux dans point de temps. Place maintenant à votre éphéméride. Ce samedi 11 mai, 132e jour de l'année, nous ferons une bise à toutes les Estelle. Le lever du soleil se fera du côté de Nervieux à 6h16 et se couchera à 21h04. Place maintenant à votre éphéméride du dimanche 12 mai, 133e jour de l'année. Nous ferons une bise à tous les Achilles, certainement le saint patron des kinés. Voilà, ça c'est fait. Le lever du soleil se fera du côté de Saint-Romain-la-Motte à 6h16 et se couchera à 21h06. Et j'ai un petit dicton qui devrait faire plaisir à tous nos amis agriculteurs qui attendent le foin avec plaisir. Par contre, pour nous, simples citoyens lambda, ça sent encore la tondeuse. À la Saint-Achille, herbe à pleine faucille. Donc oui, il va falloir faire briquer les lames de tondeuse. Bon, pour les agriculteurs, c'est bon signe. Hein. C'est très bien, au moins il y aura de quoi faire du fourrage pour l'automne et l'hiver à venir. Mais bon, nous, faire sortir les tondeuses, ok, mais avec toute la flotte qu'on a eue ces derniers temps, l'herbe va être très haute. Il est l'heure pour moi de m'éclipser, d'arrêter de vous embêter avec toutes mes bêtises que je dis. Je vous souhaite une excellente journée, un excellent week-end par avance, et on se donne rendez-vous bien évidemment, même lieu, même heure, la semaine prochaine, pour votre prochain bulletin météo. Ciao, bye bye.